Montréal.tv est au Sheraton de Laval pour la 6e édition du Grand Bal de la Fondation de l'Hôpital Saint-Eustache. Et cette année, les convives ont droit à toute une soirée sous le thème de Gatsby. Qu'est-ce que vous avez voulu recréer comme ambiance ce soir? Donc, c'est sous le thème Gatsby, les années folles, donc la prohibition et une belle soirée. Donc, nous avons un cocktail. Les invités peuvent recevoir un verre de Prosecco. Ensuite, une séance photo. Donc, le photo booth est aussi disponible. Également, nous avons un repas 5 services, spectacle d'ouverture et de danse, plein de surprises. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir le président d'honneur pour ce grand bal? Bien évidemment, c'est l'implication de vouloir faire une différence. Je pense que c'est important de s'impliquer dans notre communauté. Oui. Je pense que comme ancien maire, comme sénateur, mais comme premier vice-président du groupe Sélection, on constate qu'il y a des besoins, on constate qu'on peut faire une différence. Et lorsqu'il y a des événements ou lorsqu'il y a des situations où notre apport, notre participation va pouvoir faire un plus dans la communauté, bien, on essaie de le faire. Qu'est-ce que la Fondation fait exactement? En fait, la Fondation a deux missions. Principalement, c'est d'acheter des équipements de haute technologie pour l'hôpital de Saint-Eustache, des équipements qui, autrement, ne seraient pas payés par le ministère. Et notre deuxième mission, c'est d'apporter dans la région des soins qui n'existent pas. Alors, dernièrement, on a ouvert un centre de cancérologie. Auparavant, les gens devaient aller à l'extérieur pour avoir des traitements de chimiothérapie. Maintenant, c'est fait dans la région. Un événement clé dans la collecte de fonds. Ouais, bien, cette année, pour l'année 2019, on essaie de ramasser des sous et on va consacrer ces argents-là pour le département de natalité. Aussi surprenant que ça puisse paraître, à Saint-Eustache, il y a 1500 nouveaux bébés à chaque année. C'est important de soutenir une soirée comme celle-ci parce que c'est la Fondation de l'Hôpital Saint-Eustache. C'est des gens qui se regroupent pour le bien commun de la collectivité, donc qui aussi représentent plusieurs dizaines, je dirais même de milliers de bénévoles qui participent à la Fondation de l'Hôpital Saint-Eustache. Alors, c'est important de souligner le travail de ces gens, de souligner aussi le travail de la Fondation. Qu'est-ce que vous pensez de la soirée jusqu'à présent? Ah, c'est formidable. Vraiment, l'ambiance est excellente. Les gens sont contents, vraiment. Et la Fondation, on doit la féliciter d'organiser quelque chose d'aussi bien fait. C'est des gens qui donnent du temps, qui sont généreux. Et c'est important de soutenir cet effort-là que les gens font tout le long de l'année. Une très belle soirée pour un événement qui est important pour la Fondation de l'Hôpital. C'est une des principales sources de financement cette année, donc c'est important de les appuyer. Mes deux plus jeunes sont nés à l'Hôpital de Saint-Eustache. Ils sont en santé, mais on a pu bénéficier des bons services qui sont offerts à l'Hôpital. Donc oui, c'est une belle cause.